Un malfaiteur pour expier son crime est condamné au châtiment ultime. Dans sa cellule, il entend les gardiens dire tout bas, ce sera pour demain. Le lendemain, voici que l'aube se lève et ses idées se troublent comme dans un rêve. Il est secoué de terreur et de remords et dit tremblant, sentant venir la mort. Si l'on pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui marque les heures de la vie, je n'aurais peut-être pas, lorsque sonnait minuit, commis le crime dont je vais être puni. Il a suffi d'une fatale minute pour que d'un homme je devienne une brute. Mais quoi, voici l'horloge de la prison qui sonne le glas de la séparation. Plus qu'un espoir, mon Dieu, pour ma famille, si l'on pouvait arrêter les aiguilles. Dans les campagnes ainsi que dans les villes règne le calme et chacun vit tranquille, sans se douter qu'un orage gronde au loin pour bouleverser la paix du genre humain. Un peu partout en Europe, en Afrique, les noirs dessous de l'infâme politique sème la guerre, horreur de tous les temps, que nul ne peut arrêter. Et pourtant, si l'on pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui marque les heures de la vie, on entendrait plus le tocsin sonner pour enlever nos fils à leur foyer. Quant à l'instant où tous les bras travaillent, quoi de plus triste que l'heure des batailles? Peut-être qu'un jour, retrouvant la raison, l'homme maudira la guerre et ses passions. Plus de tueries, ni d'hommes qui se fusillent, si l'on pouvait arrêter les aiguilles.